Super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, donc let's go. Donc on va commencer par un petit sous-main licorne. Donc on l'a eu chez Stokomanie et on l'a payé 1€. Voilà, donc ça valait franchement le coup. Voilà, ça valait vraiment le coup et en plus il est trop cute. Oui, alors ensuite on a ça. Alors ça on l'a trouvé chez Centracor. Oui. Alors il existe en version noire et en version blanche. En fait on s'attendait pas à trouver ça là-bas, on y allait pour autre chose. Oui. Et du coup Lola me dit, oh maman je le veux, il est trop beau. Donc du coup on l'a pris et il a coûté 9,99€. Petit verre. Ça s'appelle une jarre. Oui, donc on l'a eu chez Jiffy. Et on l'a payé 1,50€. Voilà, donc ça voulait franchement le goût, donc on va le mettre en déco. Voilà. Ensuite, on a pris un petit verre comme ça, il me semble, chez Jiffy. Non, celui-ci à Stokomanie. Et on l'a payé, je croyais le prix est en dessous. Oui, 2,99€. Et on, voilà, 2,99€. Donc en fait, on l'a pris parce qu'on l'a trouvé trop mignon. Et dedans, je mets les petits trucs pour le. Oui, elle a mis les petites lettres dedans pour le tableau, voilà, qui est juste derrière. Voilà. Donc, on a une petite boule, donc on l'a eu chez Stokomanie. Non, Action. Oui, Action. Et on l'a payé moins d'1€. Voilà, donc il est vachement beau, donc c'est une boule à neige. Voilà. Puis on aimait bien le petit ananas. Oui, il est vachement bien fait. Alors ensuite, c'est un peu bah, tout school là, hein, donc on a pris un rouleau de scotch. Voilà. Un paire de lunettes. Et c'est du scotch coloré arc-en-ciel. Voilà. Donc il est vachement beau, ça rappelle l'été. Mais c'est encore l'été. Voilà. Ensuite, on est toujours dans la partie un peu back to school. Hein. Alors, on a pris les recharges de mon petit crayon effaçable, stylo effaçable. Friction. Et celui-ci, on l'a pris chez Jiffy, on l'a payé que 4€. Voilà. Et... Ensuite, encore un peu back to school, bien sûr. Alors, on a pris les petits crayons de papier licorne, comme tout le monde prend à chaque fois. Hein. Ouais, on les a eu chez Jiffy, on les trouve vraiment trop mignons. Donc, il y en a 3. Et en plus, les licornes, elles sont vachement belles. Allez, on va l'ouvrir. A few moments later. Alors voici les petits crayons de papier. Donc on peut enlever les petites crêtes ou enlever ça, il me semble. Voilà, pour les changer. Ah oui, tu peux les mettre après sur d'autres crayons, c'est ça? Oui. Et ça sert aussi à enlever où on peut faire des petites gommes toutes simples. Donc on a pris deux petits. Donc là c'est. C'est des pinceaux. Enfin, c'est des stylos pinceaux. C'est pour. Mon prochain achat, oui. Donc voilà, en fait, je vais m'acheter un petit bullet journal. Oui. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça chez Action à 1€ l'unité. Et j'ai pris ces couleurs-là, voilà. Oui. Hein, je commencerai à vous le faire. Donc il y en a 4, donc on aura 8 petites couleurs. Elles sont trop belles. Oui. Donc ensuite, c'est des petits crayons stylos. Voilà, alors ils sont à 1,99€. On les a eu chez Jiffy. Oui. Alors, je vais vous montrer un petit crayon. Et en fait, c'est des pointes très très fines. Donc voilà, on peut écrire avec. Et Luna s'en sert pour faire son mandala. Oui, c'est pas trop des mandalas, mais... Mais c'est un petit peu ça aussi. Oui. Donc ensuite, on a un mandala. Donc voilà. On a un cahier de coloriage avec beaucoup de dessins. Il y en a 160. Et c'est pour les adultes normalement. Mais moi, vu que j'adore ça, ben j'en ai pris un. Et tu peux les détacher les feuilles ou pas? Non. Ah dommage, parce que ça aurait été joli de mettre ça dans des cadres après. Ouais, donc j'ai déjà fait lui. Ouais, il est trop mignon. Là c'est que des couleurs d'été. On peut faire. T'as de quoi faire. Voilà, pour toutes les vacances. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Alors ça c'est chez Ikea, donc on a pris... Ça devait coûter 2 ou 3 euros il me donc, semble. Donc c'est pour mettre la tablette qui est juste là, on peut le mettre de ce côté allongé ou debout. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Alors, ensuite on a pris deux petits cahiers comme ça. Il les a déjà déballés, hein. On a de la chance.
Ensuite, on a pris des chaussons chez Jiffy. Jiffy, voilà. Donc, ils sont vachement beaux. Hein. Et on les a payés 12 euros. Voilà. Ils sont trop mignons. Oui. Et vous pouvez le remarquer, on a pris presque des choses un peu girly et tout. Girly, licorne, oui, tout ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une petite sacochette. Alors, on a pris un classeur et on en a pris un autre. Voilà, on vous en a pris un et on vous verra plus tard. Voilà, donc il y a des licornes, des frites, un diamant. Il était tellement chou en fait qu'on on est obligé de le prendre. Oui, et peut-être pour le CM1 aussi. Voilà, ça en servira peut-être l'année prochaine. Voilà. Ensuite, on a pris un petit taille-crayon comme ça. Voilà, pareil chez Jiffy, on l'a payé 1 euro. On va le déballer après. Ensuite, on a pris chez Action un petit crayon invisible. On écrit, en fait, c'est invisible et après... Avec la lumière, on peut... Vous pouvez le voir ici. Ou pareil, on l'a payé 1 euro, il me semble même pas. Pour écrire quel petit secret. Ensuite, chez Claire's, nous avons pris un petit labello. Donc ça, c'est un vrai. Parce que l'autre, c'était un petit faux. On l'a payé 3,99€. Donc, il est brillant, transparent. Voilà, il est vachement beau, je trouve. Et c'est une petite licorne, comme vous pouvez remarquer. Et nous, on adore les licornes, franchement. Ensuite, toujours de chez Claire's, on a pris un petit serre-tête. Voilà, et on l'a payé 9,99€. Voilà. Ça, c'est maman qui m'a pris. Alors, ça, c'est un ensemble que l'on a acheté chez H&M. Alors, là, voici le bas. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est un leggings avec écrit unicorn. Comme nous, unicorn. Voilà. Et le maillot. Le pull qui va avec. Donc, ça sera sa tenue de sport. Ouais. Dès qu'il fera, Pleuvra. Et donc du coup on l'a eu chez H&M à 9,99€ au lieu de 19,99€, donc ça valait le coup. Ensuite, toujours de chez H&M je crois. Oui, H&M. Oui, de chez H&M. Donc je l'ai payé 7,49€ en promo au lieu de 9,99€. Donc il est vachement beau. Hein. Luna l'a trouvé trop mignon. Oui. Ensuite, chez un magasin, donc c'est chez Footlocker. Voilà, des Nike. Alors, On les a eu à 49,99€ au lieu de 80€. Tambour, c'est quand même 24, c'est ça. Donc, ils sont vachement bons. Bien, je suis bien dedans et j'ai plus eu mal au talon. Oui, parce que j'avais un petit... Vas-y, tourne-les un petit peu. Donc, c'est les Air Max. Oui, voilà. Ils sont vachement belles. J'ai même plus mal à mon... À tes pieds. Voilà. Donc, ensuite, on a pris ce joli bureau chez Ikea, 35€. Voilà, donc on va vous le montrer en vidéo. Ensuite, on a acheté cette petite lampe chez Ikea. Oui. Donc, on l'a payé 7,99€. Oui. Ensuite, on a pris un petit truc que ça pour maman. Voilà, donc en fait, c'est un organisateur de 2018-2019. Donc voilà, c'est pour noter tous mes rendez-vous. Oui, et on l'a eu chez Action. Voilà, chez Action pour 1,69€. Et en fait, là, on a le truc pour... Un petit marque-page, voilà. Voilà. Donc, il est trop chou. C'est sympa. Ensuite, nous avons pris des petits marqueurs pour faire ceci. Donc, c'est pour faire de la calligraphie. Oui. Donc, on les a payés 1€. Oui, comme ça, si on a un cahier tout marron qu'on n'aime pas, ben, on peut le personnaliser. Voilà, on peut personnaliser tout ce qu'on a envie. Voilà, donc on en a 3. Voilà, il y a 3 tailles différentes. Alors, attends. Il y a le 2 mm, le 3,5 et le 5 mm. Voilà. Voilà, donc je montre au dos à peu près. C'est pour faire ça. Et on l'a eu chez Action. Voilà, chez Action aussi. Ensuite, on a pris un nouveau classeur. Donc, voilà. Ça, celui-là, c'est pour maman. Voilà, ça sera pour mettre les papiers. Oui. Franchement, il est trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'avais jamais vu. Et du coup, j'ai dit, bon, bah je le prends, il est trop cute. Ouais. Et je l'ai payé 69 centimes, il me semble. Je sais plus exactement. Une classique. Hein. Waouh. Donc, ensuite, on a pris un kawa chez Decathlon. Voilà, donc on a pris du coup du 14 ans, parce qu'il y avait plus de 12 ans. Le 10 ans était trop juste, donc je me suis dit...
Luna va pouvoir le garder pendant deux ans comme ça et on sera tranquille. Ou 3 ans. Voilà. Et on l'a payé 13 euros. Et en plus, il y a ça. Voilà, elle peut le porter en petite sacoche dans son sac de cartable d'ailleurs. Voilà. Ensuite, nous avons pris un petit ensemble chez Decathlon. Donc, il y a une veste et un bas de survêt. Voilà, et en fait, c'est un lot. Donc, nous, on prend, chaque année, on prend chez Decathlon une tenue de sport. Oui, et voilà, elles sont bien. Franchement, elles sont durables. Oui, hein. Et le pantalon, je l'avais gardé pendant 2 ans. Oui, ça fait 2 ans qu'elle a ses 2 autres survêtes. Sauf que là, on s'en sépare parce que c'est du 10 ans et ça commence à être trop petit parce que Luna est super grande. Oui. Donc, après, on coupera. Raccrocher. Oui, il faudra couper après. Oui, donc voici le pantalon, donc je pourrais pas le mettre. Voilà, le bas il est un petit peu slim, on va dire. Et franchement, plus, la matière elle est top. Chaud. Ouais, il tient bien chaud. Luna adore mettre ses survêtes là l'hiver. Oui. Et du coup, cette année on n'a pas pris version pull. Non. On a préféré prendre la version veste parce qu'en plus, rose poudrée comme on adore. Ouais. Donc c'est voilà. C'est un pull veste. Voilà, c'est un pull veste. Donc elle pourra mettre encore en dessous un pull, un sweat, où on va voir. Ouais. On va peut-être racheter d'ailleurs un petit pull Domios pour aller au sport. Je trouve que c'est sympa. Oui. Et puis ils tiennent bien chaud. Franchement, c'est de la superbe qualité. Oui. Alors, ensuite, nous avons pris 2 planches. Donc, je vais vous le montrer. C'est 2 petites étagères. Donc, chez Ikea. Voilà, c'est 2 planches LAC de la marque Ikea. Et qu'on va mettre au-dessus de son bureau. Donc, voilà, ça fera son petit coin rangement. Là. Voilà, une fois que c'est terminé, on vous fera une petite photo. Et ou alors, on vous garde la surprise pour le room tour. Oui. Voilà. Et le dernier article, il me semble, oui, c'est chez Jiffy, il me semble. Donc, on a pris des petites gommes comme ça. Donc, il y a une pomme. Donc, c'est des chumkins. Et on les a payé 1 euro. Oui, donc on peut les enlever hein, comme vous pouvez voir. Et on a une petite barre de chocolat. Donc, voilà. Ils sont vachement mimi, hein. Oui, trop chou. Voilà. Donc, prochainement, on vous fera un concours. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires et surtout, abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne de maman. Donc, on vous mettra sur le petit i juste là. À chaque fois, je me trompe.